là, la vie à lui dedans. On est chaud dedans. Chaud, chaud. C'est le repas à la cigale. Parce que c'est ce fruit-là, ça dit piquant, je sais pas ce que c'est. Voilà dans un cimetière, bah, disons, il tombe vraiment. Hein. C'est en étage, tout ça. On dirait une petite maison. C'est un vrai On prend. Bon, on va voir un spectacle. Termine. Et le voilà comme on parle.
patrimoine, de l'histoire, de l'économie, enfin tout ce qu'il y a à savoir sur les SAT. Et vous aurez la possibilité de faire le tour du jardin pour que vous allez voir l'iguane. Ne faites pas comme certaines, le patrimoine, de l'histoire, de l'économie, enfin tout ce qu'il y a à savoir sur les SAT. Et vous aurez la possibilité de faire le tour du jardin pour que vous allez voir l'iguane. Ne faites pas comme certaines, ne le criez pas dans tout le fort, puisque si vous le criez, l'iguane ne va pas rester là à attendre que vous allez lui faire la photo. Il faut être très discret. Alors, on reste une heure au fort. C'est-à-dire que théoriquement, les premiers arrivés au fort seront les premiers à repartir. Le chauffeur va vous... Bateau pour les cinq, l'archipel. Fort Napoléon. Là, il fait frais, là. C'est bon, hein? Mmh. Nous, de toute façon, chez vous, c'est qu'il fait froid. Voilà. Alors ici, vous avez l'archipel des Saintes, qui est composé d'un ensemble d'îles et d'îlets, 9 au total. Les deux principales, Terre d'en haut qui fait 1800 habitants, Terre d'en bas, 1100. Le reste de l'archipel comprend le Pâté, l'îlet à Cabri, la Roche Percée, la Redonde, le Grand Îlet, la Coche et les Augustins. Ce nom a été donné à ces îles par Christophe Colomb quand il était venu aux Antilles, lors de son second voyage en 1493. C'était en novembre, le jour de la Toussaint. La donc appelée Los Santos est devenue à la suite les Saintes. Alors quand on regarde une carte des Saintes, on s'aperçoit que l'archipel est composé de deux grosses îles dénommées Terre d'en haut et Terre d'en bas. D'en haut et d'en bas proviennent de la marine à voile dès le XVIIe siècle. Et à cette époque, l'habitude avait été prise aux Antilles d'appeler toute île d'en haut celle qui était la première dans un archipel à recevoir les alizés, c'est-à-dire les vents de l'Est. Et... rappelle comment tous ces solides, c'est fait avec des petits bouts de bambou. Or, le salako n'est plus fabricateur de haut et les fabricateurs de bas. Ici, le mâle de la femelle. Les pattes. Et ok, et ok.
la gueule. Non, mais on est dans le studio, c'est pour une vision de ce non, ça prend pas. La poseur. Avant hier, on oui, je... le premier qui... Oui, oui. Et en station, c'est le mal. Je la connais déjà, non, ça fonctionne pas. Au niveau du dos, l'épine dorsale par la crête, par la crinière. Le mâle a la crête toujours plus allongée que la femelle et le mâle est plus beau. C'est pas normal, ça. Et on le reconnaît, et on le reconnaît également par la queue. Les anneaux sous la queue. Le mâle a les anneaux sous la queue. Et ça mange des feuilles, des fleurs d'hibiscus, des insectes, de l'herbe. Quand ils sont petits, ils sont tout verts. Quand ils commencent à grossir, ils changent de couleur, ils deviennent grisâtres comme ceci. Avant, on pouvait en acheter, on en trouvait dans les boutiques, maintenant ils sont protégés. Avec la peau, on pouvait faire pas mal de choses, on pouvait faire des sacs, ceintures, chaussures, etc. de choses. La chair est comestible, hein. Enfin, moi, je... Vous voyez le trou, c'était l'emplacement du mât avec la voile, il y avait les rames et le gouvernail. Maintenant, ils ont changé de style, ils ont mis l'arrière un peu plus haut carré, pour pouvoir mettre des moteurs pour aller plus vite et plus loin encore. Ça est tiré de Vénus. Oh, les Caraïbes et Guadeloupéennes s'en servaient comme tamis pour faire pas de fouet. Ah, c'est pas, ça va sous l'eau et ça fait comme les poules. Ça fait comme les poules. Ça prend des heures aussi, mais pas comme les poules, pas si beau. Vous avez ici en corail pour prendre ma revanche. Parce que tout à l'heure, je dis que le Malibu était plus beau. J'ai pris ma revanche, ça s'arrête là. Match nul. La poule de chaud, parce qu'il n'y a pas de ciment ce temps-là, ça servait à faire les maisons et à blanchir également les maisons. Et c'est pour cette raison qu'on appelait ça papa chaud. On l'appelle également corne d'élan en raison de la forme des branches. La langue de Tazar et Barracuda. Ils avaient la corne avec vos bipèdes. Déjà de cette taille-là, c'est un petit bébé parce que les oreilles, c'était comme ça qu'on a chez nous. Par contre, j'en ai goûté chez vous, elles sont toutes petites, elles sont roses, elles sont grises, elles sont plates, elles sont très bonnes. Mais qu'on appelle la reine Manta, le diable de mer. C'est déjà une petite taille parce qu'elle a les plus grosses. Ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas terre, voilà, c'est le nom de déchets. Avant, les gens faisaient des carmes et des bijoux à l'intérieur de ce genre de coquillage. Là, vous avez l'ambigue, la chair est comestible, c'est très bon, mais il faut savoir le préparer, il faut que ce soit bien battu. Autrement, c'est dur comme du corps. En français et en anglais, ça s'est passé dans la rade de Brest. Et ce jour-là, ça a été une victoire française, on a gagné. Et on m'a dit que c'était pour arrêter les boulets, pour pouvoir les récupérer ensuite. Ça leur permettait de les réutiliser de nouveau. Retour à leur ailleurs. Il y en a des petites familles. Vous en trouvez barbecue, là. Là, c'est joli. Merci. J'allais sortir. Il marche pas, hein, c'est bien. J'ai pas envie de me retomber. Vous avez mon portrait. De quoi? Vous ne filmez pas? Je ne sais pas, je regarde pas. Oh, vous exagérez. Je ne regarde pas tout. Non, non. Oh là, c'est beau par là. C'est beau. Oh. T'attendais à partir. Oui, oui. Hier, on était sur celui-là. Pour aller au centre. Colibri qui va pas tarder à partir. Thank you.
40. Il paraît qu'il faut chanter la chanson de Laurent Voulzy, la Marie Galant. Tout le monde, je sais pas, on va voir ça. Là, notre chauffeur, pour la journée, Marie Galant. Non, puis derrière, il y a un bien derrière. Et vous avez quelque chose pour Denis? Alors, on y va. Oh, ah, bah, je vous ai dit, hein. Écoute ça, écoute ça. Alors, une. Belle île en mer, Marie Galant, Saint-Vincent, c'est ouais, Singapour, c'est l'océan, il vous sépare et vous laisse à part. Après, on va continuer. Oh. Voilà, c'était notre pot d'accueil. Étonné. Ah bon? Ouais, vraiment, je ne m'attendais pas à ça. Alors, si vous avez pu chanter Marie Galant, Belle Île en Mer, en un mot, c'est que vous êtes des gens formidables. Et nous ferons de tout notre mieux pour vous faire passer une bonne journée à Marie Galant. Merci. Un petit peu de shopping, regardez, après on ira faire un tour à l'habitation Murat. Après l'habitation Murat, on ira faire un tour à la distillerie de Bienne, où là vous allez déguster le rhum de Marie Galant. Alors il y a le rhum et il y a les liqueurs. Après les liqueurs, on ira faire un tour à la gueule du Grand Gouffre. La gueule du Grand Gouffre, c'est à Saint-Louis, c'est la partie la plus... Voilà, c'est ici. Aller vers la gueule du Grand Gouffre qui se trouve ici, descendre cette partie. Alors là, tout. Pas que ça, le B du Sud. Maïgo. Ouais. Maman, vous allez passer là. Ouais. En descendant à gauche. Descendez déjà. Oui, ah ben d'accord, on descend. Ouais, j'arrive. Ils sont beaux. Hein. Il y en a un autre là-bas. Derrière. Ah, c'est là qu'on se baigne, je crois. Un petit bain avant de manger. Je vais le retrouver. Il est parti loin. Oh oui. Bah, dis donc, il continue. Hein. Voilà, elle est bonne. Elle est bonne.
Bien, t'étais parti loin. Ouais. Des scooters loués. Pour faire le tour de l'île. Boutique. Des petites boutiques. 30, plus de 30 degrés au moins là. Hein. Plus de 30 degrés, je crois. Hein. Certain. Hein. Bah, je sais pas. Là, les bateaux qu'on va reprendre. L'église des Saintes. Tu vas mettre une bougie. Les Saintes. Le bateau, le retour, les Saintes. À chaque fois, on choisit une tirée différente pour que tout le monde puisse tirer pour tirer. Voilà, exactement. Parce que si on allait toujours au même endroit, ça serait pas qui regarde passer les bus. Et là, vous voyez que c'est déjà un petit peu plus sec, puisque Marie Galante, depuis tout le temps, a eu toujours un problème d'eau. Puisque Marie Galante est une île très sèche. Il n'y a pas de rivière comme à Basse-Terre, mais il y a des sources et il y a des nappes phréatiques et les marégages. Voilà, t'es belle. Pas de portée, pas de portée. Le marché de Marie Galante. Qu'il y a. Des épices. Il y a des beaux fruits. Hein. Patate douce. Patate douce, c'est ça. On a visité l'église. Tout le matin. Et hier, c'était le style. C'est le château pour nous, hein, parce que je vous montrerai les cases à esclaves qu'il y avait. Et cette habitation-là, quand on avait ça, ben, on faisait partie des notables. Oui, oui. Ah. Vous n'avez pas la même importance, c'était pas une case par esclave. Hein. Pouvait être 2, 3, 4, ça dépend du travail qu'il y avait à cette époque-là et le moment du travail qu'il y avait. Quoi. Alors c'est ce qu'on appelle les cases à esclaves. Et les cases en bois qu'on a déjà vues, la base architecturale, c'est ça. Alors comment ils faisaient ça? Ils prenaient des bouts de bois qu'ils trouvaient un petit peu à droite, à gauche et vraiment des matériaux de récupération. À l'opposé, vous avez l'écomusée de Marie-Galante. Tous les vestiges de cette habitation sont encore vivants, ils sont encore là, mais ils se trouvent dans une pièce et ils attendent que l'habitation puisse être à nouveau être opérationnelle pour être exposée. Alors sur votre droite, c'était la cuisine de l'habitation. Ça vous donne une idée. La maison de maître et la cuisine. Puisque pendant la période de l'esclavage, l'esclave n'avait pas le droit de rentrer dans la maison de son maître. Sauf les dames de compagnie ou celles qui s'occupaient de la lingerie, des choses comme ça. Mais les esclaves même ne devaient pas rentrer dans la maison du maître. Merci.
pas sur ses prétentions. Et l'habitation de maître, alors imaginez à cette époque-là, quand il y avait tout ce qu'il fallait, les meubles et tout ça, c'était vraiment quelqu'un qui était vraiment très très bien vu hein, dans la société, puisqu'à cette époque, il y avait l'esclavage. Alors ça fait que quand on possédait ça, ça symbolisait pour nous vraiment le château. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Château Murat. Et ce sont des pierres de taille. Des fonds moyens. Alors Mathieu, t'es tout seul? Donc tout le monde s'en aille pour prendre une photo. L'ancien moulin. C'était la calebasse qui était utilisée. Alors on prenait ce fruit-là, on le coupait en deux et on enlevait toute la chair qu'il y avait à l'intérieur. Et après on le laissait sécher et ça servait de récipient. Et avant, il y a très longtemps, les femmes caraïbes utilisaient la calebasse comme soutien-gorge. Alors c'est pour ça qu'en créole on dit c'est en fonction à têter ou à tailler calebasse. C'est-à-dire que c'est avec la grosseur des seins qu'on va tailler la calebasse. Alors si vous avez un bonnet A, un bonnet B, un bonnet C, j'en sais rien, eh bien vous allez prendre la calebasse qui va avec le sein. Voilà. La différence entre le rhum industriel et le rhum agricole. Alors le rhum industriel c'est obtenu à partir des résidus de la cristallisation du sucre, à partir de la mélasse, on va faire une variété de rhum qu'on appelle le rhum industriel. Alors vous le connaissez sous le nom du Negrita, du Bacardi, ce sont les rhums industriels. Alors c'est un sous-produit, hein. c'est pas du tout la même chose. Essayez de faire entendre raison à ces personnes-là, et ce sont des jeunes métropolitains qui sont venus s'installer ici il y a quelques années et qui utilisent du grès, je crois, pour faire leur poterie, planter la canne. Puisque lorsque les 6 années arrivent, on est obligé d'arracher les boutures de la canne puisqu'elle dégénère. Alors après, on laboure la terre et ensuite, on va planter de la canne peut-être un an après. On va visiter une distillerie de rhum. Oh, les machines. Ça doit coller. Sucrerie, attention. Voilà. Les alambics. Ah bah voilà, c'est ça. C'est ça que vous aimez tant. Il paraît que c'est pour les hommes, c'est... Voilà, merci.
On peut goûter. On va goûter ça. Voilà, c'était la distillerie. C'est de la menace. Après, il s'en sert pour chauffer, pour. C'est de la canne broyée qui a des plus de jus dedans. C'est une école. Alors vous allez descendre si vous voulez faire la photo de la plage. Plus on allait, comme on a ouvert les fenêtres, c'est pas très clair. Un chou, des manioc. Ah oui, tiens, en farine. C'est pas la même chose que la farine de blé, mais nous, c'est une base dans notre alimentation. C'est-à-dire, une fois qu'elle est séchée, il n'y a pas besoin de la faire cuire. On peut la consommer ici avec du lait, du sucre, de batterie, et avec de l'avocat et des haricots surtout. Avant d'arriver à la phase finale, qui est le séchage de la farine, d'avoir pour ceux et celles qui ne connaissent pas le manioc, à quoi ça ressemble, voici une variété. C'est une racine. Hein. C'est la branche qu'on va prendre et de là on fera des morceaux de 20 cm qu'on mettra en terre. Il y a deux types de manioc. Il y a le doux qui est mangeable comme un légume et la mère qu'on ne peut pas manger par rapport à la toxicité quand les tiers sont jus. Mais à travers le manioc à mère, il y a diverses variétés. Mais il n'y en a que deux types. Le doux qu'on appelle le. Et voilà, notre bateau pour repartir. Et de la culture, c'est où toutes les manifestations culturelles s'effectuent, là. Et la rue Frébault qui se trouve juste là, sur la gauche. Voilà. Alors tous les commerces se trouvent ici. D'autres commerces, Super U, Tamar Galante, en départ de Pointe-à-Pitre, c'est juste derrière. Voilà. Et là, vous avez la gare routière. Avant, elle était là. Vous voyez dans quel état. Site d'un jardin botanique. Ça court dans tous les sens. Hein.
tout pour toi. Allez. Bon. Tout pour toi. Ouais. De la cascade. Les jeunes, ils ont les pieds, je pense qu'ils doivent être dans la rue. Voilà. Moi, je me suis fait ça. Encore. Là, ouais, on a... Tu la vois. C'est bien, là. La végétation tropicale. Une fougère géante. Là, les fougères géantes. C'est belle vue, là, sur la mer. Les fougères géantes encore. Dans le cas. Les filots, les germes. Voilà sa prière, mais elle est toujours dans les nuages. Alors comme tous les jours est venu, c'est ça le pire dans l'histoire. Mais le prestige de cette famille, puisqu'au contrairement à ce qu'on a vu hier à Marie-Galante, cette plantation avait 2500 esclaves qui travaillaient dans la plantation. Alors la soufrière, elle est encore un peu dans les nuages. Hein. Si vous voulez prendre la photo, ben, c'est maintenant ou jamais. Elle est encore dans les nuages. La soufrière, elle est... Une belle plantation. Du bambou. On va aller se promener dans le parc. Oui, on est éolienne, lui. C'est bizarre. Là, on va à l'aéroport, Pointe-à-Pitre. T'as pas une partie du coup. Et au bord de la mer, au bord de la mer, le mot dont on parle. Dimanche, 14h29. Là, 5h. Et encore le Pointe-à-Pitre. Ah bon?